propos du culte national qui s'est achevé il y a quelques temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une forte délégation de la diaspora qui ont assisté à ce culte-là. Des gens qui sont venus de France, prioritairement, parce qu'il y avait à peu près une dizaine de personnes, mais également d'autres pays, la Belgique, l'Italie, y compris même les États-Unis, quoi. Mais c'était que les pays occidentaux, mais aussi certains pays africains, le Tchad, le Congo, et le Gabon, évidemment, qui étaient là. Et c'est vraiment un grand événement qui s'est passé à drainer beaucoup de gens venus de l'étranger. Et voilà un peu. D'accord, je pense que nous rendons grâce à Dieu, Frère Pochard Kamara. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Ce qu'il a fait pendant la culte nationale. Mais je tiens à dire merci déjà à toutes les délégations qui se sont manifestées, en commençant par l'Europe. Et je pense qu'il y a la brigade qui était là, aussi bien représentée, il y a Kéo William qui n'était pas venu. Et on a aussi mon fils, le pasteur Jacques. Donc plusieurs enfants sont venus pour ce culte national et Yosemi Kotsumi fait partie des mères vertueuses, des sentinelles là-bas en Europe. Et beaucoup d'autres personnes qui se sont déplacées pour venir. Donc je tiens à dire merci à toutes les délégations qui se sont déplacées pour venir pour ce grand culte national. À tous ceux qui sont quittés la diaspora et d'autres nations. On a mon fils, le pasteur Sia, du Gabon, qui était là avec son épouse, et c'est des gens que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Et dans chaque dimension, chaque dispensation, Dieu suscite des enfants, des personnes qu'il a choisies lui-même et marquées de son sceau pour les mettre comme fils. Voilà, donc je pense que par lui nous aurons une ouverture au Gabon. Et je voudrais profiter pour dire à tous les Gabonais que je pense à votre nation et par la grâce du Seigneur Jésus, dès que possible, nous arriverons au Gabon pour même 3 jours de réveil à ce niveau. Nous avons vu ce que le bien-aimé de Kambuka a eu à faire avec Gabon Stade du Gabon. Et je pense que c'est une fierté pour l'Église de voir que les gens quittent leur maison remplie de stades pour écouter l'évangile de Jésus-Christ et non pas pour le football. C'est-à-dire même le football ne remplit pas les stades comme ça. Je pense que c'est là que l'Église sera en train de voler la vedette au monde. Donc, je vais dire comme ça, merci au pasteur Sia, à son épouse, ma fille bien-aimée, à tous mes enfants de la diaspora et il n'y a aucune nation qui a été représentée. Il y a l'Italie qui était là, il y a le Gabon, il y a le Congo, il y a les États-Unis également. En fait, c'était vraiment un mélange de beaucoup de nations cette fois-ci. Et voilà, ce que je pourrais également dire, c'est que pour la plupart, malheureusement, le seul bémol, c'est qu'ils auraient aimé causer avec le prophète, ils auraient aimé avoir un entretien avec le prophète. Et c'était un peu serré cette fois-ci. Mais je sais quand même qu'ils ont compris, et ils ont compris, et ils savent que ce n'est que passer le mieux si ça se trouve. Je pense que moi aussi ça me fait mal de ne pas plus les recevoir, mais nous sommes en train de mettre les choses en place. Par la grâce du Seigneur Jésus, d'ici l'année prochaine, les choses seront différentes. Elles seront différentes parce qu'on n'a pas fini d'aménager les bureaux où nous devons les recevoir. Donc, on est en train de travailler pour avoir cet endroit propice là, pour recevoir chacun d'entre vous. Donc, je pense que je peux prendre le risque de promettre que par la grâce du Seigneur Jésus, l'année prochaine, on va recevoir tous les... Il faut approcher le micro, parce que là, disons que le son puisse être, puis on va recevoir par la grâce de Dieu tous nos enfants qui viendront de la diaspora et puis des pays étrangers. Voilà, donc je vais dire merci comme ça à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui se sont mobilisés, se déplaçant de leur pays pour venir jusqu'au Cameroun. Que ce soit de l'Italie, que ce soit des États-Unis, que ce soit
du Gabon, du Congo, Belgique, de la Belgique, la France, il y avait aussi la Suisse. Absolument. Il y avait la Suisse aussi. Donc que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et je vous souhaite le meilleur, je pense. Le culte national a été un moment très fort, un moment extraordinaire, une expérience unique pour chacun d'entre nous. On aurait souhaité le faire au Palais des Sports, mais je pense que la prochaine édition, ce sera au Palais des Sports. On la fera au Palais des Sports, certainement l'année prochaine, ça c'est clair. On fera au Palais des Sports et on aura assez de temps pour s'organiser par rapport à cela. Donc, je tiens à dire merci aussi à toute mon équipe qui a été très fortement engagée dans cette organisation, que ce soit les mains vertueuses, qui sont extraordinaires. Je veux dire merci à Maman Marie, qui est la présidente fondatrice des mains vertueuses. Merci à Maman Coco, qui est la représentante ici. Et à toutes les représentations des mains vertueuses du Cameroun, qui ont été là vraiment, il faut dire que sans les femmes, l'Église n'est rien. En tout cas, tout ce qu'on fait sans femmes, c'est toujours différent. Donc merci comme ça à tout le Collège des Anciens, à toi déjà, pour ton abnégation, pour la loyauté, et à Papa Moukoko, Papa Dobby, aux frères Fouateux, à qui encore, à tous les anciens. Maître Ovaga, maman Bican, une ancienne Ruth, maman, ça s'appelle comment? Ma fille juge, la juge. Maman Rosette, maman Euphémie. Donc je dis merci à toutes les mamans, à tous les papas de Réma qui se sont mobilisés fortement pour que ce culte puisse avoir la connotation grandiose qu'il a eue. Merci aussi à la CRTV, au directeur de la CRTV, qui a bien voulu m'écrire pour me confirmer qu'il enverrait la CRTV couvrir l'événement, et nous avons vu l'événement arriver. Merci aussi au directeur de la STV, d'Equinox. Equinox était là. Oui, Canal 2. Canal 2. Les journaux écrits, les jours, la presse écrite, la documentation, les jours, oui. Donc, tous ces journalistes qui ont fait, il y a Vision 4 aussi, tous ceux qui ont fait les déplacements pour être présents pendant ce culte national, tous ces journaux, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je pense que ça facilite l'expression de l'Église dans la nation. Comme j'ai expliqué à tous les journalistes qui étaient présents, l'Église, son rôle est d'accompagner le gouvernement, représenté par le chef de l'État, accompagner l'État dans les projets sociétaux qu'il a par rapport à la population. Notre travail, peut-être on ne le voit pas trop de façon... comment je vais expliquer ça? On voit les résultats dans tous les cas. Parce que des milliers de Camerounais, des centaines de milliers de Camerounais, je crains de dire des millions de Camerounais, nous suivent, que ce soit à travers Facebook, YouTube, à travers ce channel, à travers tous les canaux de communication que nous avons. Et il y a une grande influence que le message que nous distillons a sur les populations qui nous écoutent. C'est un message de paix, c'est un message de réconciliation nationale, c'est un message de coexistence pacifique, c'est un message de citoyenneté. C'est aussi un message de patriotisme, parce que nous sommes Camerounais et notre rôle, c'est de défendre notre nation. Donc, c'est important. C'est ça le rôle que nous avons dans l'Église. Hormis la partie spirituelle qui se charge de la transformation intrinsèque de l'homme, de la transformation holistique, c'est-à-dire dans le corps, l'âme et l'esprit. Il y a aussi ce rôle de prière pour la nation, comme on l'a fait pendant le culte national. Nous avons prié sur le drapeau qui représente notre mère patrie. Et nous savons que Dieu nous exauce. On a vu de grandes délivrances, on a vu de grands miracles, et la prière de l'Église protège la nation. Elle protège la nation. Et nous demandons à Dieu de donner la sagesse à nos dirigeants, aux chefs de l'État, à sa famille, à tous ceux qui travaillent avec lui pour que le Cameroun retrouve la paix. Et j'ai la ferme conviction, d'après la parole de l'Éternel, que nous retrouverons la paix. On retrouvera ce Cameroun
nous avons connu dans le passé. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui étaient là, à tous les frères et camerounais qui se sont déplacés pour la bière. J'avoue que l'accès à la bière n'est pas facile. C'est pas facile. Mais je pense que je suis en train de travailler personnellement pour 2025. Et l'année 2025, je pense qu'on trouvera une solution pour faciliter l'accès au peuple. Donc, ce sera encore de finir cette année 2024 et 2025, Dieu nous aidera à trouver des solutions. Je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai oublié. Je crois que dans l'ensemble, c'était. Enfin, je crois que tout a été dit dans l'ensemble. Mais ce qu'on va remarquer et sur lequel tu as vraiment insisté, c'est l'ouverture aux médias. C'est juste que l'on se cantonnait à nos médias, Zoé Channel, Douleur Secrète. Maintenant, c'est une plus grande ouverture, ou bien leur page Facebook et puis YouTube. Maintenant, le fait que les médias se soient mêlés, on lui a vu l'intérêt. Même juste longtemps après, plusieurs jours après, il y a eu des retombées dans les journaux. Tout le monde en parle, même dans les taxis, dans les lieux publics. J'en parle du culte national, ah bon, qui, va devenir, qui va vraiment devenir un vrai label. Quoi. Donc, les gens parlent, absolument, les gens en parlent en fait. Juste ça apparaît dans les journaux. Les journaux, deux, trois jours après, on parle du culte national, on dit, voilà, le prophète, Zinekane, et puis, voilà, et puis les personnalités qui de plus en plus s'intéressent à un événement comme celui-là, ça, comment on dit ça, ça présage. Les prochaines éditions encore plus grandioses, ça, je n'en doute pas. D'accord. Donc je pense que Paul dit que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera jusqu'à son achèvement. Donc merci encore vous tous, que Dieu vous bénisse et merci pour le soutien que nous avons reçu de ses collègues. Merci à chacun d'entre vous, merci à l'Église, merci à tous ceux qui ont pris la peine de venir à ce culte national, comme tu l'as dit, ça deviendrait un label pour notre nation. C'est même déjà un label pour notre nation, parce que j'en ai entendu parler, les gens en ont parlé. Et par la grâce du Seigneur Jésus, que je crois, l'année prochaine en juin, dernier dimanche du mois de juin, nous nous retrouverons au Palais des Sports. C'est peut-être au Seigneur Jésus qui nous prête une longue vie. Donc voilà, merci à vous et shalom, que la gloire de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.